Glisse. Non, merci beaucoup Sandrine, mais tu peux rester pendant qu'on fait la glissade et juste après, comme ça on pourra voir ton beau maquillage, ta belle robe et tout. Donc la glissade aujourd'hui, au cœur de la glissade, on a le président Henri Cournon-Bédier qui, il y a quelques jours, a été vu sur une moto. Il a été vu en mode yorobo, en mode motard. Et en fait, la petite histoire derrière, c'est que les riders de Côte d'Ivoire sont allés à Daoukro et sont passés lui faire un petit coucou et l'ont invité à monter sur une moto. Ils ont immortalisé le moment et c'est devenu viral sur la toile. On a cru que c'était en hommage à DJ Arafat. Non, alors rien à voir. C'était juste un concours de circonstances. C'est arrivé par un pur hasard. Pour la petite histoire, cette moto a été offerte par celui qui est venu la semaine... Vous vous souvenez la semaine dernière? Voilà, c'était Yaya Cissé donc avec ses amis, les Riders, le Riders Club d'Abidjan. Donc il a décidé de faire une descente sur Daoukro. Et à cette occasion, ils ont demandé une audience au président Bédier. Ils ont été reçus et ils ont offert cette moto qui s'appelle... La Can-Am. La Can-Am, voilà. La Can-Am moto 3 roues. On en avait une qui était dehors, mais qui n'a pu entrer parce que c'était très réduit. Ouais, là. C'était énorme. Voilà, donc j'aurais piloté cette moto avant le président Bédier. Mais il a fait comme moi, il a juste accéléré. Vroom, 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 vroom. Un petit peu. Et en fait, derrière, on se rend compte que le président Henri Cournon-Bédier fait aussi beaucoup de mise en scène, finalement. Ouais. On se rappelle qu'à la Saint-Valentin, il avait offert une fleur à son épouse. Voilà, là, oui. Ça avait fait aussi le tour de la toile. Ensuite, à l'occasion de la sortie de l'album de Yodé Siro Héritage, il avait aussi posé avec les deux chanteurs. Ça avait bien fait jazzer la population. Son masque. Bah ouais, un masque spécial, hein, tu vois. Voilà. Ouais. Et puis, on se rappelle de la vie du président Laurent Gbagbo, cette photo-là qui avait été à la une. Mais il y a eu son anniversaire aussi. Son anniversaire. Comment on appelle, Papitou, et aller lui rendre visite. Lui rendre visite, c'est la première fois, d'ailleurs, l'humoriste est venu. Non, il s'était déjà vu avant. À l'occasion de l'anniversaire de mariage que je présentais avec son épouse Henriette. Et la petite surprise, c'était Papitou qui est venu en Bédier. Ouais. Voilà. Et finalement, il faut reconnaître quand même qu'il a une bonne, un bon groupe de communication autour de lui. Et ça fait toujours un petit peu sourire comme ça de le voir dans ses différentes postures. Voilà, c'était la glissade de glisse.